Première journée de top 14 et cet affrontement entre Perpignan et le Stade français démarre fort. Dès la 5e minute, les Parisiens pilonnent la ligne d'en but catalane. Le travail des avants est efficace, précis et consume peu à peu la défense adverse. C'est au ras d'un dernier ruck que Michael Ivaldi trouve la faille pour le premier essai du match. On revoit le dernier effort des avants parisiens que seul Jacobus Vantonder peut contenir, puis l'ultime coup de rein du talonneur stadiste. Le Stade français Paris inscrit le premier essai de sa saison et mène 7 points à 0 avec la transformation de son ouvreur Joris Segond. Mais l'orgueil catalan est bien connu et à la 20e minute, la réaction de l'USAP intervient sur cette touche. Un ballon porté qui progresse, une défense adverse qui se désagrège avant de se mettre à la faute. C'est un essai de pénalité qui ravit tout le stade Aimé Giral. On revoit la furia des Catalans qui emmènent tout sur leur passage. Perpignan est inarrêtable sur cette action et revient au score juste avant la pause fraîcheur, 7 partout. Ce sera le seul essai du match pour Perpignan qui connaît des difficultés dans cette rencontre. Car en face, le Stade français Paris est serein et ajoute une pénalité pour reprendre le score. Peu avant la demi-heure de jeu, sur cette mêlée, Mathieu Irigoyen relève le ballon et sème le trouble dans la défense. Les soutiens sont présents, mais Paris négocie mal un 2 contre 1. Monsieur Kerr, l'arbitre du jour, revient donc à la faute en mêlée fermée. Les premières lignes s'étant relevées. Ce qui permet à Joris Segond d'ajouter 3 points pour faire gonfler le score à 13 à 7. Le nouvel entraîneur de l'USAP, Franck Azéma, venu de Toulon, est soucieux. Même si son équipe n'est menée que de 6 points à la pause, il sent que ses joueurs sont déjà proches de la rupture. Paris ajoute 3 pénalités en seconde période et enfonce le clou à la 78e minute. Sur une mêlée simulée, Cocotte lance sa ligne d'attaque qui profite du surnombre pour aller à l'aile opposée. Dakouaka s'applique pour contrôler le ballon et file inscrire le deuxième essai des siens sans aucune opposition. Le Stade français Paris déroule sur cette dernière action du match pour remporter une victoire nette et sans bavure 29 à 7, la première à l'extérieur dans sa saison de top 14.